Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour cette belle et bonne semaine que tu nous as accordée. Grâce à toi, Seigneur, nous sommes encore en vie et nous pouvons nous réunir en ce soir pour te louer, t'adorer et te donner, Seigneur, la gloire qui t'est due. Merci pour tous ces bienfaits dans ton amour infini que tu as manifesté envers chacun de nous. Par-dessus tout, nous voulons te remercier, Seigneur, pour Jésus qui a accepté d'offrir sa vie sur la croix afin que nous puissions vivre éternellement dans les cieux. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce programme qui se déroulera ce soir. Assiste-nous par ton esprit et dirige ce moment selon ta volonté et que ce que nous entendrons, Seigneur, puisse nous aider à progresser et à continuer à marcher avec toi jour après jour. Nous te prions de nous laver, de nous purifier aussi dans le sang précieux de Jésus pour tous les péchés que nous avons commis devant toi. Bénis, Seigneur, les retardataires. Bénis nous tous qui sommes déjà présents. Bénis l'intervenant de ce soir, le pasteur Uriti. Bénis sa famille, bénis son ministère. Que tu lui donnes la force et le courage de continuer à travailler pour toi et de tenir ferme jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus reviendra nous chercher. Garde-nous en ta paix. Bénis-nous, fortifie-nous et fais-nous du bien à travers ce moment de rafraîchissement spirituel. Nous t'avons prié et demandé ces grâces au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Bonsoir, mes frères et sœurs. Mon cœur est dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans le sabbat. Et je suis conscient que nous allons passer des moments, un moment très enrichissant ce soir. Et nous allons aussi passer les 3 mois à l'étude de la parole de Dieu. Nous allons nous nourrir pleinement. Nous avons besoin de cette nourriture en ce temps difficile, mes frères et sœurs. Nous avons plus que besoin de nous réunir, plus que jamais. Lorsque nous regardons l'actualité, lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde, lorsque nous voyons la situation économique, la situation politique, morale, qui est dans la décadence totale, nous ne pouvons que nous retourner vers Jésus-Christ, qui nous a promis dans sa parole une espérance de vie meilleure. Parce qu'après toutes ces choses que nous vivons, ces choses horribles, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a un espoir. Que serait la vie aujourd'hui si nous n'avions pas cette espérance? Si nous vivions et nous mourons et qu'il n'y avait rien après, ce était triste. Mais grâce à Dieu, il nous donne une vie éternelle dans l'harmonie, dans la paix. Et nous connaissons la parole dans un monde où il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de misère. Jésus et la Bible et l'esprit de prophétie nous disent d'aller, aller proclamer la parole de lieu en lieu. Et il nous aide, la parole de Dieu nous aide à nous organiser pour pouvoir atteindre le plus de personnes. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons organisé ces week-ends de rafraîchissement spirituel afin que nous puissions les uns les autres nous réconforter, afin que nous puissions être forts face au combat que nous menons. N'oublions jamais que nous sommes dans une grande lutte, nous sommes dans un grand problème. Et sans la parole de Dieu, sans que nous nous munissions de la parole de Dieu, nous serons perdus. Mes frères et sœurs, je déclare maintenant les week-ends de rafraîchissement spirituel ouverts. Nous vous avons parlé de ces moments, de ces week-ends de rafraîchissement spirituel. Ce soir, nous ouvrons ces week-ends avec le pasteur Uriti. Vous connaissez le pasteur Uriti, il est le responsable des ministères personnels au niveau de la fédération. Il est responsable de l'école du sabbat au niveau fédéral. Il a aussi en charge une église, Saint-Pierre. Et il est accompagné, comme Jacques vous l'a dit, de son épouse, Peggy. Donc, bienvenue à toi, pasteur. Et nous prions pour que tu puisses être guidé par l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses nous conduire dans toute la parole, afin que ce moment, ce week-end que nous allons passer avec toi, soit un moment où nous allons nous rapprocher les uns des autres, nous allons nous rapprocher davantage de Jésus-Christ. Bien, merci. Et pasteur, à toi la parole, que Dieu te bénisse.
Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes contents de vous voir et nous souhaitons à chacun d'entre vous un très bon sabbat sous le regard de notre Dieu. Il fait bon d'être à Hébron et nous voulons remercier la direction de l'Église, mais en particulier le directeur des ministères personnels, frère Vautour, pour l'invitation qu'il nous a faite d'être ici et de pouvoir commencer avec vous ces week-ends de rafraîchissement spirituel. C'est une excellente chose, surtout en cette période de rentrée, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir réfléchir autour de ce merveilleux thème que vous avez, à la recherche de la brebis perdue. C'est l'occasion pour nous d'encourager chacun d'entre vous à participer pleinement à ces différentes rencontres, à inviter vos amis, nous serons dans le champ demain après-midi, donc à inviter vos amis pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu tous ces week-ends où vous serez ici, puisque comme frère Vautour l'a précisé tout à l'heure, le monde dans lequel nous vivons est vraiment en ébullition. Il suffit que nous regardions un petit peu ce qui se passe et nous n'allons pas nous attarder ce soir pour raconter, redire, mais il suffit que nous regardions un petit peu ce qui se passe dans le monde pour nous rendre compte que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, ce monde remplit les conditions pour une troisième guerre mondiale qui serait la fin de toutes choses. Les armes bactériologiques, les armes nucléaires, les armes chimiques, l'état d'esprit de certains groupes, l'état d'esprit de certaines personnes, toutes ces conditions réunies font que s'il y avait une troisième guerre mondiale aujourd'hui, cette planète disparaîtrait en peu de temps. Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous a promis que cela n'arrivera pas, il reviendra pour secourir ses enfants. Il reviendra mettre fin à la folie des hommes. Et c'est pour cette raison que nous devons nous associer à lui pour aller à la recherche de la brebis perdue. Un merveilleux thème, à la recherche de la brebis perdue. Nous tous qui sommes ici, nous sommes ou nous étions des brebis perdues. Nous étions loin de Dieu, égarés. Et le Seigneur est venu un jour et il a frappé à notre porte et nous avons ouvert. Et nous sommes là aujourd'hui, et il nous demande à notre tour d'aller. Cherchons-le, savons-nous le prix d'une âme? Savons-nous réellement le prix d'une âme? Lorsque nous considérons ce que Jésus fait sur la croix, est-ce que nous nous arrêtons véritablement pour considérer en profondeur ce que Jésus a fait sur la croix? Un innocent qui meurt, ce sont des choses que nous connaissons, ce sont des choses que nous sur lesquels nous prêchons, nous sommes familiers à ces choses. Mais lorsque nous nous arrêtons un instant pour prendre conscience de la valeur d'une âme, d'une brebis, eh bien, nous sommes remplis d'admiration et nous sommes motivés à aller dire aux autres la valeur du prix payé par Jésus, l'importance du prix. Comme nous le savons, frères et sœurs, depuis que nos premiers parents ont péché, depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais, mais alors jamais cessé de rechercher sa brebis perdue. Il n'a jamais cessé de rechercher sa brebis qui s'est égarée, sa brebis qui s'est perdue le long du chemin. Et commençant par Adam, avec les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus et jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais cessé de rechercher cette brebis. Il n'a jamais cessé de regarder comme le père de la parabole, attendant que cette brebis revienne à lui. Il lance des appels, il cherche, il part à notre rencontre. Je disais, commençant par Adam, il va poser une question à Adam. Vous vous souvenez certainement qu'Adam et Ève avaient une relation intime particulière avec Dieu. Ils jouissaient de la présence de Dieu. Ils pouvaient parler avec lui, converser avec lui. Mais lorsqu'ils ont écouté le tentateur et que le péché est entré dans le monde, cette relation a été altérée. Cette relation a changé. Eux qui pouvaient regarder Dieu en face, maintenant qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur. Ils ont peur. Alors Dieu va poser la question à Adam, qui est en direct rapport, en rapport direct avec le thème de ce soir. Dieu va lui dire,
Adam, où es-tu? Une question fondamentale. Adam, où es-tu? Où es-tu, mon fils? C'était la première fois que Dieu lui posait cette question. Vous avez noté? Parce que jusqu'à présent, Dieu n'avait pas besoin de rechercher sa brebis. Mais il se trouve que quelque chose s'est produit et cette brebis qui jouissait d'une relation particulière avec Dieu prend la fuite. Il a peur. Adam, où es-tu? Et alors, l'Ancien Testament continue et par les bouches, la bouche des prophètes de l'Ancien Testament, le Seigneur n'a jamais, Dieu n'a jamais cessé d'annoncer où il a continuellement annoncé, à maintes reprises, disais-je, qu'il recherche. Je recherche, je veux retrouver mes enfants, je veux retrouver ceux qui jouissaient avec moi dans mon royaume, dans mon paradis, dans mon ciel, d'une félicité éternelle. Il veut nous ramener à la maison de notre Père Céleste. Amen. L'objectif suprême de Dieu, c'est que nous puissions laisser ce monde un jour et que nous soyons réunis avec lui dans son royaume et nous disons gloire à Dieu. Il veut que nous soyons avec lui, il nous cherche. Ézéchiel chapitre 34, verset 16 nous dit « Je chercherai celle qui était perdue, dit Dieu par la bouche du prophète. Je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée et je fortifierai celui ou celle qui est malade, dit Dieu. » Il fait un certain nombre de choses ici. Il dit, je ramène celle qui s'est égarée. Il dit, je panse celle qui s'est blessée. Et il dit, je fortifie celle qui est malade. Nous voyons bien que Dieu est prêt vraiment à faire beaucoup de choses pour cette brebis qui s'égare. Et par la bouche du prophète Amos, le message continue. Je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils feront à ce moment-là? Ils rebâtiront les villes dévastées, ils planteront, ils habiteront ces villes et ils en boiront le vin. Et il dit encore, ils établiront des jardins et ils en mangeront le fruit. Voilà ce que Dieu promet de faire, voilà, résolu de faire malgré la désobéissance de nos premiers parents. Mis à part, frères et sœurs, le fait que Dieu appelle et qu'il cherche, la Bible nous révèle quelquefois des brebis qui crient, des brebis qui, elles aussi, recherchent la face de Dieu, recherchent la présence du Créateur. Et je prendrai juste un texte par souci de gain de temps. Le psaume 119, au verset 176, nous trouvons ici une brebis qui s'écrie à Dieu. Il dit, elle dit cette brebis, « Je suis errant comme une brebis perdue », l'auteur du psaume. Et il entend cette requête, il fait cette requête, il entend cette recommandation. Cherche ton serviteur, du moins il prie, cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Je suis errant comme une brebis perdue, allant ça et là, ne sachant plus quoi faire, ne sachant plus où aller. Et il va soupirer après le fait de pouvoir retrouver son maître. Et il va dire, cherche ton serviteur, ô maître, car je n'oublie point tes commandements. La recherche donc de la brebis perdue est, je devrais dire, était, est, et sera encore toujours la priorité de Dieu. C'est son objectif suprême. Et lorsque vous avez perdu quelque chose qui vous est cher, qu'est-ce que vous faites généralement? Si nous perdons quelque chose qui nous est cher, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons jusqu'à ce que nous trouvions la chose. Et quelquefois, vous entendez des gens donner des récompenses. C'est assez impressionnant ces jours derniers. Quelqu'un sur la route de Didier avait perdu un chien, je ne me souviens pas de la race du chien, mais apparemment c'est un chien d'une race particulière. Et cette personne donnait une forte somme en euros. Je ne me rappelle pas du montant, mais c'est un peu plus de 500 euros que la personne donnait à quiconque pourrait lui ramener son chien. Vous imaginez si on peut payer une telle somme pour un animal? Imaginez ce que Dieu, lui, il a payé pour que nous puissions revenir à la bergerie. Il a payé un prix énorme. En fait, la Bible nous dit que Dieu n'a rien épargné. Il n'a rien épargné. Cette personne qui donnait 500 euros
avait certainement encore un peu d'argent à la banque, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que Dieu n'a rien épargné, il a tout donné. En fait, il s'est donné lui-même pour retrouver sa brebis égarée. C'est extraordinaire. Le prophète Ésaïe nous le dit en ces termes. Un texte que nous aimons, un texte que nous utilisons lors des Saintes Cènes, mais un texte qui est si beau que j'aurais pu vous lire dans des termes très poétiques, mais je n'ai pas ce don. Ésaïe 53, versets 3 à 6. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, nous l'avons considéré comme frappé de Dieu. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est quoi? C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et le texte verset 6 continue et dit: nous étions tous errants comme des brebis. Oui, comme des brebis. Errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait tomber ou retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous aurions dû être à la place de Jésus. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? Mais Jésus a fait cela. Il a souffert alors que nous étions égarés, éloignés de lui. Nos péchés, il a porté pour que nous soyons un jour réunis avec lui. C'est le prix qu'il a payé pour nous retrouver. Ce prix est inestimable. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait don de son Fils à la recherche de la brebis perdue. Jean chapitre 3, verset 16. Nous pouvons donc déclarer ce soir, frères et sœurs, que ce prix payé par Dieu est un prix extrêmement élevé pour vous retrouver, vous et moi, pour nous retrouver, vous et moi. D'ailleurs, Jean, en Luc, au chapitre 19, verset 10, il déclare: « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu faire deux choses. Il est venu chercher afin de sauver. Il nous cherche et il nous sauve. Il ne se contente pas de nous trouver, mais il nous met à l'abri, il nous protège, il nous enlève de la malédiction, de la mort. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus a cherché et il nous cherche encore. Il a cherché et il nous cherche encore pour que nous allions, une fois que nous avons été trouvés, à notre tour, à la recherche de la brebis perdue. Jésus nous a cherchés. Jésus nous cherche encore aujourd'hui. Mais une fois qu'il nous a trouvés, une fois qu'il nous a sauvés, il veut que nous puissions nous associer à lui pour que nous allions à la recherche avec lui de la brebis perdue. Avez-vous remarqué le nombre de brebis perdues qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Avez-vous noté le nombre de personnes qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche? Avez-vous noté le nombre de personnes qui sont encore prises dans la superstition, dans la sorcellerie, dans le vice et dans toutes ces choses qui grandissent, qui vont en grandissant dans ce monde? Avez-vous remarqué l'état moral de notre société? Avez-vous remarqué ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui? Avez-vous remarqué qu'on ne respecte rien? Avez-vous remarqué que ce monde est en ébullition? Mais avez-vous aussi remarqué que Dieu a des lumières qui doivent briller dans le monde, qui doivent aller à la recherche de la brebis perdue? Qui sont ces lumières? Eh bien, nous allons le voir ce soir, mais sachez déjà que c'est vous et moi. Et pour nous aider à appréhender, pour nous aider à comprendre sa mission, pour nous aider à comprendre notre mission, le Seigneur nous a donné trois paraboles. Il nous a raconté trois histoires. Il nous a donné trois images pour nous aider à comprendre les paraboles, dites paraboles de la miséricorde. Mes frères et sœurs, ces paraboles révèlent le cœur de Dieu. Pendant tous ces mois que vous serez ici à partager ces week-ends,
Les autres intervenants auront à intervenir aussi sur ces paraboles et sur ces différents, comment dirais-je, ces différentes dimensions de ces paraboles. Donc ce soir et demain, je ne rentrerai pas en détail, mais je vais toucher quelques points précis avec vous comme pour introduire ce concept. Jésus nous a laissé donc ces trois paraboles de la miséricorde, paraboles qui révèlent le cœur de Dieu. Les deux premières paraboles, la parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce perdue, les deux premières paraboles insistent sur la recherche du pécheur par Dieu. Et alors la troisième parabole s'intéresse sur l'accueil que Dieu réserve aux pécheurs repentis. Et alors demain, au culte, si Dieu nous prête vie, nous allons réaliser, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'y a pas qu'un seul fils prodigue dans la parabole. Nous allons réaliser qu'il n'y a pas un seul fils perdu dans la parabole. Nous allons réaliser que celui qui est resté à la maison était tout aussi perdu que celui qui était à l'extérieur. Mais ça, nous verrons demain, si Dieu veut. Nous allons lire, si vous le voulez bien, dans Luc chapitre 15, à partir du verset 1er. Et ce soir, nous nous arrêterons sur ces deux premières paraboles et nous allons essayer de tirer quelques leçons, quelques enseignements pour nous autour du thème « À la recherche de la brebis perdue ». Alors, puisque vous avez trouvé dans Luc chapitre 15, nous lirons à partir du verset 1er. Luc chapitre 15, à partir du verset 1er, il nous a dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre ». Nous nous arrêtons un instant ici. Même si nous ne ferons pas une étude de verset par verset, mais il y a des éléments clés que je voudrais que vous compreniez qui vont nous aider à saisir les autres leçons qui sont enseignées dans la suite de l'histoire et de la suite des paraboles. Premièrement, il nous est dit que des gens de mauvaise vie, des publicains et des gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus. Et ceci, c'est quelque chose, et nous allons le voir dans quelques instants encore, qui dérangeait un certain nombre de personnes. Les gens n'aimaient pas, les amis proches de Jésus, les pharisiens, tous ceux qui se considéraient comme les docteurs de la loi, etc., les dirigeants, étaient dérangés lorsque Jésus était approché par des gens de mauvaise vie. Les publicains, les gens de mauvaise vie. Mais notez une chose, je voudrais que vous notiez une chose dans ce texte. Les publicains et les gens de mauvaise vie venaient vers Jésus pour quoi faire? Lisez dans le texte. Qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils venaient pourquoi? Pour être guéris, pour chercher la nourriture. Pourquoi venaient-ils vers Jésus? Ils venaient, et ce n'est pas anodin, alors que plusieurs venaient vers Jésus pour la guérison, alors que plusieurs venaient vers Jésus pour recevoir de la nourriture, plusieurs venaient pour des problèmes. Le texte biblique nous dit que ces gens de mauvaise vie ou ces publicains s'approchaient de Jésus pour l'entendre, pour écouter son enseignement. Et c'est extrêmement important parce que la doctrine de Jésus, l'enseignement de Jésus est ce qu'il y a de plus important. Oui, Jésus veut sauver les gens. Oui, Jésus veut guérir les boiteux. Oui, Jésus veut nourrir des foules comme il l'a fait. Mais Jésus est venu d'abord avec un message de repentance et de salut, un message, il est venu dire, voilà pourquoi je suis venu. Et alors, c'est intéressant de voir que ces personnes, qui apparemment n'étaient pas des personnes instruites, n'étaient pas des personnes versées dans la loi, etc., étaient les personnes qui voulaient écouter Jésus. Alors que les scribes et les pharisiens n'étaient pas intéressés à écouter ce que Jésus avait à dire. Mais c'est une chose qu'il est digne de noter ici, mais nous allons revenir dessus au fur et à mesure que nous avançons. Donc, ils sont venus non pas pour se nourrir, non pas pour quoi que ce soit, mais pour écouter Jésus, pour écouter sa doctrine, pour écouter sa parole, pour être nourris. Ils ne sont pas venus par curiosité, ils ne sont pas venus voir Jésus, ils ne sont pas venus pour être guéris, mais ils sont venus pour entendre sa doctrine, son enseignement. Verset 2. Le verset 2 nous dit « Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Le texte dit que les pharisiens murmurèrent, mais vous savez qu'en réalité, les théologiens nous disent que les pharisiens étaient mécontents. Ils ne se sont pas contentés de murmurer, mais ces messieurs étaient mécontents parce qu'ils ne comprenaient pas comment quelqu'un qui se disait fils de Dieu pouvait s'asseoir
avec des gens de mauvaise vie. Donc, ils murmuraient, ils rouspétaient, ils étaient presque en colère, pourrait-on dire. Ils étaient mécontents parce que les publicains et les gens de mauvaise vie avaient maintenant accès à la grâce et pouvaient obtenir le pardon et la repentance des péchés. Ils étaient mécontents parce que des publicains et des gens de mauvaise vie avaient maintenant accès à la grâce. Avons-nous réfléchi à cela? Jésus est venu, Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, amener la liberté aux captifs, etc., etc. Jésus, dans son premier message, exprime pourquoi il est là. Il dit, voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu pour ces gens-là. Et voilà que les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, ceux qui ont la connaissance, sont mécontents parce que Jésus est en train d'accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Je me suis dit, est-ce que nous, adventistes, quelquefois, on n'est pas un petit peu aussi, peut-être pas mécontents, mais dérangés par des personnes qui arrivent et qui entendent la parole, nous récitent la parole. Je me suis dit, est-ce que quelquefois, nous n'avons pas un petit souci avec cela aussi, mais c'est peut-être pas ici ou ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, notez que ces personnes qui auraient dû encourager les gens à venir et à écouter la parole de Dieu sont mécontents alors que Jésus accomplit la mission pour laquelle il était venu. C'est pour cela qu'il était venu. C'est exactement pour cela qu'il était venu. Il ne pouvait pas, par honte, condamner Jésus. Les pharisiens, les publicains ne peuvent pas dire condamner Jésus. Comment oserait-il condamner Jésus parce que Jésus prêchait à ces gens? Mais il leur reprochait de manger avec eux, ce qui était une totale contradiction avec la tradition des anciens. Les scribes et les pharisiens sont dans la tradition. Et alors, ils ne pouvaient pas dire à Jésus, arrête de prêcher à ces gens. Ils ne pouvaient pas oser dire à Jésus, pourquoi prêches-tu à ces gens? Mais ils disaient à Jésus, tu manges avec eux, tu es avec eux. Et c'est exactement ce que Jésus nous demande de faire. Allez manger avec eux, allez vous asseoir à leur table, allez passer du temps avec eux pour leur parler de l'Évangile. Amen. Et c'est ce qu'il nous faut apprendre à faire, frères et sœurs. Inviter les gens chez nous, aller vers les personnes qui sont nécessiteuses, nous asseoir avec ces personnes, même si nous sommes critiqués, même si on dit... Ah, il y a un ancien d'église, Gaïpi qui Monica fréquenté, mais vous savez pourquoi vous êtes là. Attention, parce que c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu chercher et sauver les drogués, les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui sont rejetées dans la société. Et si nous, en tant qu'adventistes du septième jour, nous n'allons pas vers ceux qui sont rejetés, si nous, en tant qu'adventistes du septième jour, nous n'allons pas soulager la souffrance de ceux qui sont dans notre quartier, dans notre travail, nous n'accomplissons pas la mission, frères et sœurs. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu, et n'oublions jamais que nous aussi, un jour, nous étions dans une situation délicate et Jésus est venu vers nous. Amen. Jésus est venu vers nous. Jésus a envoyé quelqu'un vers nous et Jésus nous a cherchés. Qui ici peut dire c'est moi qui ai cherché Jésus? Jésus nous a poursuivis. Jésus nous cherche parce qu'il nous veut, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes la prunelle de ses yeux, parce que vous et moi, nous avons de la valeur à ses yeux. Nous avons une grande valeur à ses yeux. Et c'est pourquoi il n'a pas hésité, Dieu a donné son Fils pour nous. Jésus voulait leur montrer, frères et sœurs, que si prêcher pour ces gens pouvait les amener à la repentance, il y aurait plus de joie dans le ciel de voir les publicains et les pécheurs mener une vie ordonnée que de voir les scribes et les pharisiens mener le type de vie qu'il menait, une vie basée sur la tradition. Et la tradition des pharisiens, la tradition des anciens, la tradition des scribes était quelque chose de très pesant, de très difficile, et Jésus a eu plein de problèmes avec cela. Ils étaient toujours en train de mettre en avant la tradition.
Mais Jésus leur dit, mettez de côté vos traditions et regardez ce que dit la parole de Dieu. Un de ces jours, nous parlerons un petit peu de la tradition. Pour ce faire, Jésus va leur donner deux premières paraboles. Dans Luc chapitre 15, toujours, nous allons lire à partir du verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Jésus veut leur faire comprendre. Jésus leur dit, voilà pourquoi je suis venu. Mais puisqu'ils ne comprennent pas, Jésus va illustrer la chose. Et une parabole, une histoire, c'est quelque chose de très puissant. Il nous faut lire et adapter, appliquer. Jésus leur dit, au verset 3, cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans la bergerie, dans le désert, pardon, pour aller après celle qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve, dit Jésus. Lorsqu'il l'a trouvée, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il l'a retrouvée? Il la met avec soin sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis perdue. Ma brebis qui était égarée, verset 7. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus leur parle ainsi. Jésus, à travers cette parabole, veut leur montrer quelque chose. Dans cette parabole, ici, nous avons le cas d'un pécheur qui s'avance dans le chemin de la perdition. Un pécheur qui s'avance dans le chemin de la perdition. C'est la morale de cette parabole, c'est la leçon de cette parabole. Il s'avance dans le chemin de la perdition, il est comme une brebis égarée, une brebis perdue. Et cette brebis est perdue pour son maître. Cette brebis que vous et moi nous représentons est perdue pour Dieu, il est perdu pour le troupeau, il est perdu pour lui-même, il ne sait pas où il est, il déambule interminablement, il est continuellement exposé aux bêtes sauvages. La brebis qui s'égare est exposée aux bêtes sauvages. La brebis qui s'égare ne sait pas où elle va. La brebis qui s'égare est éloignée, elle est perdue pour Dieu, elle est perdue pour son maître, elle est perdue pour elle-même, cette brebis, privée de la protection, sujette à la terreur. Cette brebis désire le vert pâturage. Et je voudrais vraiment que nous saisissions toutes les parallèles, que nous laissions notre imagination et que nous puissions oublier la brebis littérale et que nous pensions à toutes ces brebis qui jadis fréquentaient la bergerie Hébron. Et je voudrais que nous réfléchissions à toutes ces brebis qui n'ont peut-être pas fréquenté la bergerie Hébron, mais qui sont dans notre travail, qui sont dans le monde aujourd'hui. Je disais donc que ces brebis, frères et sœurs, ils sont perdus pour elles-mêmes, ces brebis. Ces brebis ne savent où elles vont, où elles sont. Ces brebis déambulent comme cela, à droite à gauche. Et ces brebis, je disais, eh bien, ces brebis sont privées de la protection et désirent le vert pâturage. Ces brebis désirent le vert pâturage. Il y a tant de gens aujourd'hui dans le monde qui ont envie d'une vie meilleure, mais qui ne savent pas ni comment faire, ni quoi faire, ni vers qui se tourner. Et malheureusement, beaucoup se tournent et frappent à de mauvaises portes. Beaucoup vont voir des gadgets à faire. Beaucoup vont consulter horoscope, beaucoup vont faire toutes ces choses condamnées par la Bible, alors que nous avons la lumière du monde, alors que nous avons la solution. Mais il ne peut retrouver lui-même son chemin. La brebis égarée ne peut retrouver elle-même le chemin vers la bergerie. Le pécheur perdu ne peut retrouver lui-même le chemin vers la bergerie. Et même si le berger avait 100 brebis, il n'accepterait pas de perdre une seule de ses brebis. On pourrait se dire, mais c'est une brebis. Il a déjà 100 brebis. Il lui reste 99. Eh bien, Jésus est en train de nous dire à travers cette parabole que si c'était pour une seule personne qui devait être sauvée, il viendrait mourir sur la croix. Et si cette seule personne, c'était toi, il viendrait pour toi, ma sœur. Il viendrait pour toi, mon frère. Il viendrait pour toi, cher jeune. C'est ce que cette parabole nous enseigne. Même si le berger avait 100 brebis, il n'accepterait pas de perdre cette seule brebis.
Mais il part à sa rencontre et il fait montre d'un soin particulier pour la retrouver. Écoutez ce que les commentateurs disent. Il va suivre la brebis. Il va veiller sur la brebis. Pas la surveiller, il va suivre la brebis. Il va chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Savons-nous que c'est ainsi que Dieu fait avec nous? Savons-nous que c'est exactement ainsi que Dieu fait? Dieu cherche les enfants refroidis. Dieu cherche les pécheurs non convertis. Et quand ils sont trop fatigués pour revenir à la maison, le texte nous dit qu'il les prend sur ses épaules avec beaucoup de soin et de tendresse et il les ramène avec joie à la maison. Il appelle ses voisins et tous se réjouissent avec lui. Notez qu'il l'appelle sa brebis. Quand bien même elle serait égarée, il continue à l'appeler sa brebis. Quelle leçon pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Comment est-ce que nous traitons les brebis égarées? Est-ce que nous considérons les brebis qui s'égarent comme étant les brebis de Dieu? Est-ce que nous considérons les brebis qui n'ont peut-être pas été dans la bergerie, mais qui sont à l'extérieur? Est-ce que nous les considérons comme des brebis de Dieu? Qu'est-ce que Jésus dit lui-même? Lui-même dit, il y a d'autres de mes brebis qui sont à l'extérieur. Mais celles-ci entendront ma voix et elles viendront à moi, dit Jésus. Donc Jésus considère comme sa brebis. Nous aussi, nous devons considérer comme étant sa brebis, même si celle-ci est égarée. Verset 7. Le verset 7, de même, je vous dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. La joie éprouvée pour les retrouvailles de la brebis perdue est un symbole de la joie éprouvée par les anges dans le ciel. Est un symbole de la joie éprouvée par les anges dans le ciel. Lorsque nous avons perdu quelque chose et nous avons retrouvé cette chose, nous sommes contents. Surtout ces choses avaient une grande valeur pour nous. Nous nous réjouissons, nous sommes contents, nous sautons de joie. Vous imaginez que dans le ciel, les anges se réjouissent. Alléluia. Nous ne sommes pas en mesure de voir ça aujourd'hui, mais nous pouvons laisser notre imagination essayer d'entrevoir la chose. Les anges qui se réjouissent parce qu'un sauveur, parce qu'un pécheur, pardon, est repenti. Pourquoi se réjouissent-ils autant, frères et sœurs? Parce que les brebis égarées, eh bien, sachez que nous manquons aux anges. Nous leur manquons terriblement parce que notre place est encore à leur côté. N'oubliez pas, frères et sœurs, que Satan, lorsqu'il y eut guerre dans le ciel, est parti avec un tiers des anges, nous dit le texte. Et alors, cette place laissée vide, c'est pour vous et moi. Donc les anges se réjouissent et ils disent, « Oh, gloire à Dieu, Seigneur, une de tes brebis a entendu la voix. » Et nous nous réjouissons parce que très bientôt nous le verrons et ensemble nous serons avec notre Sauveur. C'est pourquoi ils se réjouissent, c'est pourquoi nous aussi nous devons nous réjouir. Et nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir lorsqu'une âme se donne à Jésus. Dans la seconde parabole, alors rapidement, la pièce était perdue dans la maison et dans la poussière. Dans la seconde parabole, la pièce était perdue dans la maison et dans la poussière. Une âme plongée dans le péché est comme une pièce de monnaie dans la poussière. Lisons le texte. Lisons versets 8 à 10 du chapitre 15 toujours. Ou quelle femme, si elle a 10 pièces et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie pas la maison et ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drame que j'avais perdue. » La deuxième parabole parle encore de joie. Et c'est pourquoi je vous ai dit que ces deux paraboles mettent l'accent sur la joie éprouvée. Nous devons être joyeux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le même principe ici. Mais il y a un autre élément important. Élément sur lequel nous reviendrons encore demain par rapport au deuxième fils. Je voudrais que ce soir, nous puissions commencer à réfléchir sur une chose. Quelles sont les implications
d'avoir la pièce perdue dans la maison, qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous, cette pièce qui est perdue dans la maison, cette pièce qui n'a jamais laissé la maison, cette pièce qui est à l'intérieur, cette pièce qui est couverte de poussière, cette pièce qui a beaucoup de valeur, mais qui est perdue aux yeux de son propriétaire. Une âme, disais-je, plongée dans le péché est comme une pièce de monnaie dans la poussière. Il y avait de la valeur, il y a une grande valeur, mais recouverte de poussière. Je voulais suggérer, frères et sœurs, que la pièce perdue dans la maison peut représenter, la pièce perdue dans la maison peut représenter des personnes qui sont peut-être à l'église et qui n'ont jamais laissé l'église, qui n'ont jamais laissé l'église, qui ne sont jamais partis, mais qui pourtant peuvent être perdus dans la maison. Peut-on être perdu dans la maison? Peut-on être perdu dans la maison? Peut-on être perdu dans l'église? Peut-on chanter dans l'église? Peut-on prêcher dans l'église? Peut-on payer la dîme? Peut-on payer 2-3 dîmes? Peut-on être souriant? Peut-on avoir un aspect physique, les meilleurs vêtements? Peut-on avoir tout cela? Peut-on être régulier à l'église et être perdu dans l'église? Cela est possible, malheureusement. Cela est possible, malheureusement, car ce qui compte, frères et sœurs, chers jeunes, chers amis, ce qui compte réellement pour nous, ce n'est pas d'avoir cette apparence, ce n'est pas d'avoir le syndrome des pharisiens. Connaissez-vous le syndrome des pharisiens? C'est le syndrome des pharisiens qui fait qu'on est perdu dans l'église, dans la maison. Cette pièce avait le syndrome des pharisiens. Perdu à l'intérieur de la maison. C'est quoi le syndrome des pharisiens? Le syndrome des pharisiens, c'est qu'ils avaient tout parfait à l'extérieur, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Le syndrome des pharisiens, c'est qu'ils avaient tout parfait à l'extérieur. Leurs vêtements étaient parfaits. Le respect strict des règles établies par les pharisiens, ils étaient forts dans cela. Par exemple, les pharisiens, ils avaient un certain nombre de lois concernant l'observation du sabbat. Par exemple, ils disaient dans leur loi que si quelqu'un allait au sabbat et puis la personne avait marché sur un clou et que la personne prenait une pince et qu'elle enlevait le clou de ses chaussures, c'était transgresser le sabbat. Les pharisiens avaient une autre loi qui disait, par exemple, que si quelqu'un est boiteux et que la personne va au temple avec sa béquille, cette personne c'était porter un fardeau et qu'il fallait laisser la béquille à la maison. Ça peut nous faire sourire, mais toutes ces choses faisaient partie de la tradition des pharisiens. Et ils excellaient dans cela. Mais lorsqu'il s'agissait de soulager la souffrance, lorsqu'il s'agissait de rentrer dans le cœur de l'Évangile, comme Jésus l'a fait, ils n'étaient nulle part pour être trouvés. On ne pouvait pas les retrouver parce que ça ne les intéressait pas. On peut être perdu dans la maison. Mais notez que cette pièce avait de la valeur. Mais qu'est-ce que cette femme va faire? Quelle femme, si elle a eu 10 drames et en perd une, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va allumer une lampe. Ah! Elle va allumer une lampe et elle va chercher cette pièce jusqu'à ce qu'elle la trouve. Elle va balayer la maison. Ah, vous commencez à imaginer ce que cela peut vouloir dire. On va balayer la maison. On va balayer l'église. Mais avant de balayer l'église, on va commencer par allumer une lampe. Ça correspond à quoi, allumer une lampe? Ça correspond à quoi? Il y a bien une signification pour nous. Ça correspond à quoi, allumer une lampe ici, chers frères et sœurs, dans le texte? Elle va allumer la lampe pour qu'elle voit où balayer. Elle va allumer la lampe pour voir la pièce. Cette lampe qui doit être allumée, c'est quoi aujourd'hui? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. La lampe allumée, c'est la parole de Dieu. Ceci représente les divers moyens, méthodes que Dieu utilise pour ramener ses brebis perdues. La lampe dans cette parabole représente les divers moyens, les divers méthodes que Dieu va utiliser. Mais la méthode par excellence qui ne changera jamais, c'est la parole. Car ta parole est une et une sur mon sentier. La parole. Donc lorsque nous
nous appliquons les paroles de cette parabole, nous devenons cette lumière. Nous devenons cette lumière. La leçon de la semaine dernière nous disait que Jésus est la lumière. Il ne porte pas, c'est la vérité, je crois, la vérité. C'est pas qu'il dit la vérité. Il est la vérité. De la même manière, Jésus est la lumière du monde. Il éclaire le monde. Et vous et moi, nous sommes appelés à éclairer le monde par la lumière du Christ qui jaillit de nous. Le Christ envoie cette lumière sur nous et notre lumière doit refléter sur les hommes. Divers moyens sont la lampe de l'évangile, les divers moyens modernes, on pourrait en parler aujourd'hui, Internet, mais tout revient à la parole. Tout nous ramène à la parole. Quel que soit le moyen que nous utilisons pour faire passer la parole, tout nous ramène à la parole. Eh bien, allumez cette lampe. Et elle va chercher, elle va balayer jusqu'à ce qu'elle trouve cette pièce. Et là encore, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler ses amis. Et elle va dire à ses amis, venez, réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. La pièce est perdue dans la maison. Elle balaye la maison et elle retrouve sa pièce. Là encore, la bonne nouvelle. Là encore, la bonne nouvelle au verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, il y a plus de joie dans le ciel, devant les anges, pardon, de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Il y a encore beaucoup plus de joie dans le ciel, devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. » Voulons-nous être cette lumière? Voulons-nous être cette lumière? Voulons-nous que le Seigneur nous utilise? Mais voulons-nous d'abord, avant même qu'il nous utilise, voulons-nous nous laisser trouver par lui? Est-ce que nous voulons nous laisser trouver par Dieu? Frères et sœurs, nous l'avons vu ce soir et nous le verrons encore demain. Le Seigneur n'épargne rien, il ne garde rien, mais il met tout dans la balance. Pour que vous et moi, nous soyons avec lui, qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour vous et moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus pour vous et moi? Quelquefois, nous restons dans la poussière. Quelquefois, nous restons dans la poussière à cause, j'ai envie de dire, de peccadilles. Quelquefois, nous restons dans la poussière à cause des problèmes non résolus. Quelquefois, nous restons dans la poussière à cause de conflits, de toutes sortes de choses que je n'ai même pas besoin de citer, que tous nous pourrions retrouver dans les familles, les enfants, etc. Mais aujourd'hui, c'est le moment pour nous de vraiment choisir ce qui est prioritaire. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous de faire table rase et de nous dire « ça pas important, mais pas qu'à rester en laissant ». Ça, j'ai besoin de cet aspect. Ça, ce n'est pas mon problème. J'écoutais un message, je termine avec cela, d'un de nos grands prédicateurs, Henry Wright. Et Henry Wright disait que dans l'Église, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de mésententes, beaucoup de choses concernant des points de doctrine. Sanctuaire dans le ciel, sanctuaire par-ci, etc. Et il dit ces choses-là nous divisent. Ces choses nous divisent au point que il peut même avoir de l'animosité. Et il disait, je crois que je le rejoins quelque part, s'il est important que nous soyons au clair sur ces choses, il y a des choses que Dieu nous a révélées. Il y a d'autres choses que Dieu ne nous a pas révélées. Excellons sur ce qu'il nous a déjà révélé. Et pour les choses sur lesquelles nous ne sommes pas totalement au clair, mais qui ne sont pas forcément salutaires, persévérons dans la foi, persévérons dans la sanctification, persévérons dans la piété, persévérons à cheminer avec Jésus et
S'il y a un sanctuaire dans le ciel, alléluia. S'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel, alléluia. Le plus important, c'est que nous soyons avec Jésus. Ce raisonnement peut paraître simpliste, mais moi, j'y adhère totalement. Parce qu'encore aujourd'hui, vous savez qu'il y a encore d'autres discussions au niveau de notre Église sur la question du créationnisme, l'évolution, etc., etc. Et au moment même où nous parlons, cette semaine, enfin, ça s'est passé la semaine dernière, mais il y a des réactions cette semaine. Il y a eu une grande conférence des scientifiques qui disent que la Terre n'a pas 6000 ans ou 7000 ans comme nous pourrions le croire. Et il y a des millions d'années, scientifiques adventistes, etc. Et un haut responsable a fait une certaine déclaration qui a choqué plus d'un. Et alors, ça commence déjà à bouger parce que des gens veulent réagir, etc., etc. Frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège-là. Ne tombons pas dans ce piège-là, car beaucoup d'entre nous qui voulons savoir combien d'années à la terre, nous ne savons pas mettre en pratique Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, qui dit « Aimez vos ennemis, faites du bien, etc. » Commençons par là. Commençons par demander à Dieu de nous aider à nous supporter les uns les autres. Pour lorsque je rentre à l'église, je vais changer bon les mots racistes pour moi. Commençons par demander au Seigneur de nous aider sur ces choses-là. Ça, c'est pratique, ça, c'est concret. Ça, c'est l'Évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Merci, notre Dieu, notre Père. Merci parce que tu nous invites à collaborer avec toi afin que nous partions chercher ces brebis qui s'égarent. Car nous avons vu ce soir le prix d'une âme. Jésus se sacrifiant, mourant, souffrant sur la croix. Il aurait fait pour un seul pécheur. Il aurait fait pour une seule personne ici dans cette église. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons entendu ta voix un jour. Nous t'avons accepté et aujourd'hui nous cheminons vers la nouvelle cité. Nous cheminons vers ton royaume de gloire. Nous cheminons vers la maison du Père, Seigneur. Et nous te demandons de nous aider afin que rien ni personne ne puisse nous empêcher d'être présents. Qu'aucun péché caché, qu'aucun trait de caractère, rien ne puisse nous empêcher d'être présents. Mais que nous puissions nous détourner du mal, que nous puissions nous consacrer à toi. Et que tu reviennes bientôt, bientôt, bientôt nous chercher. Nous soupirons après ton retour, Jésus. Nous soupirons après ton retour, Père Céleste. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Sanctifie tes enfants, protège tes enfants et préserve-nous. Et lorsque tu reviendras au Père, sauve-nous tous avec toi dans ton royaume. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.